Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est enfin la création de la zone employée qu'il y a derrière l'enclos des jaguars, celle qui est là depuis le début. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je la fasse un jour. Donc, comme je l'avais dit dans l'épisode où je fais l'enclos des koalas, je voulais que ce soit un bâtiment entier, enfin voilà, que ça colle à l'enclos. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là vous voyez que je suis en train d'agencer un peu toutes les infrastructures soigneurs, ce qui a été quand même assez compliqué. J'avoue que j'avais du mal à gérer parce que les bâtiments pouvaient pas se mettre, il y avait des clôtures transparentes, donc du coup il y a un trou au milieu. Donc du coup j'ai arrangé ça comme je pouvais, c'est pas grave, ça se voit pas. C'est une vidéo qui ne sera pas très très longue parce que bah, c'est pas les bâtiments que j'adore faire. Donc je n'ai pas vraiment. Je ne m'applique pas tellement. Même si là je me suis appliquée, j'ai mis des éléments de déco, ce qui ne m'arrive jamais. On va se mettre d'accord là-dessus. Ouais, c'est pas quelque chose que je maîtrise, les bâtiments employés, ni quelque chose que j'apprécie. Mais bon, ouais. C'est quand même plus sympa de voir des bâtiments finis de l'extérieur, hein, ouais. Que voilà. Même si là en soi je pourrais rajouter des décos à l'extérieur et tout, mais pour le moment ça me convient comme ça. Depuis le début du jeu, je suis partie sur une voie quand même assez foncée, mais là que je voulais que ça colle un peu avec le bâtiment koala qui est juste derrière. Donc, du coup, le bâtiment est de deux couleurs différentes, vu que l'extérieur de l'enclos des koalas est en bois foncé comme d'habitude. Mais je trouvais que ça pouvait être sympa, voilà, de faire une petite variation. Si je vois que vraiment ça colle pas avec ce que je veux faire ensuite, je changerai. Mais là, pour le moment, ça me convient. Donc, je vais laisser. Vendredi, vous aurez un nouveau let's play qui va sortir. Donc, c'est un let's play que je ferai uniquement en speedbuild, sans parler ni quoi, juste avec de la musique et juste un petit moment détente. Voilà, j'avais envie de commencer un nouveau parc. J'aime bien. C'est pour éviter de me lasser en fait que j'ai préféré faire aussi un autre parc de mon côté. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous le filmer? Ça peut toujours être sympa. Et puis, mais du coup, ça sera plus facile pour moi, sachant que j'aurai pas besoin de m'enregistrer ou de faire une voix derrière. Parce que, bah, vivant en studio à deux, c'est compliqué de trouver des moments où enregistrer une voix off, hein. Donc, vous voyez que là, j'avais plein de petites décos, j'essaie de faire des petites brouettes de bouffe. Hein. J'essaye de faire quelques trucs, hein, mais c'est vraiment pas. C'est vraiment pas avec ce à quoi je suis à l'aise. Ça se voit, je pense. Mais comme on dit, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, bon, bah. Pour le moment, on fait et puis on apprendra en même temps.
Je vous laisse donc avec quelques images du bâtiment pour vous donner une idée finale de ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du Challenge à la roue. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à laisser un commentaire si elle vous a plu ou si vous avez des petits conseils à me donner. Et je vous dis ciao!